Garder le GPS Bah parce que t'as lui et puis t'as l'autre. Enfin laisse comme ça. Ok, le GPS ça va être pire. Bon alors tu peux y aller, hein. Allume les feux et on y go. Tu sais que t'as tous les boutons sur le volant et toi tu utilises le clavier quand même. Ouais. T'es le seul pecno qui doit utiliser le clavier alors qu'il te sert de son volant. Donc voilà, on c'est est toujours sur le volant, c'est le tien. Oui. Et pour l'instant c'est toi qui joues avec, pas moi. Hein. Donc voilà, on est reparti pour une petite partie à Hongrie. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez voir quand même qu'il y a un petit décalage au niveau de l'expérience. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que avec King Kong Simulator ici présent, nous avions déjà tourné une vidéo. Non, déjà deux vidéos, techniquement c'est pas une. Et donc nous sommes arrivés au niveau 4. Mais le truc, c'est que j'ai fait une petite, et même très grosse, parce qu'en gros j'ai dû refaire une fois les vidéos sur Need for Speed à cause de ça, parce que j'avais pas tout à fait bien configuré Fraps. Donc j'ai dû tout recommencer. Et what? Putain, il s'est fait violer. Oh là là, il a fait 2% de dégâts. C'est pas grave. Donc, vous allez peut-être me voir. On va voir. Il y a le volant qui se barre en fait. Donc, j'espère que ça vous plaît bien. Parce que pour l'instant, bon, ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympa de faire les vidéos là sur Euro Truck 2. Cette map, je l'aime bien. Je sais pas toi ce que t'en penses. Moi ça va encore, ça, parce que ça plus réel déjà. T'as pas joué beaucoup toi celle-là, t'as plus ouais. joué aux autres. Ouais, enfin à la classique pro. Bah t'as quand même joué à la TSM aussi. Une fois plus. Ouais, une TSM fois. Non. TSM plusieurs fois. Meuf, t'as non, 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 une TSM, fois. Ouais, non, TSM. T'es allé plusieurs fois au bled et puis t'as fait quoi aussi, t'as fait l'Odyssée avec moi aussi, une partie. Ah mais moins de la moitié. D'accord, j'ai fait beaucoup. Donc Garry's Map, ouais. T'as fait deux petits convois, enfin deux gros convois quand même, parce que c'était pas c'était des convois assez courts, mais pas si courts que ça non plus. Donc voilà, là non, tu devrais rien perdre au niveau de l'argent. T'as des dégâts sur le camion, mais t'as pas de dégâts sur l'argent. Donc voilà, c'est vrai que t'as pas mal, t'as pas beaucoup joué sur celle-là, bon elle lag beaucoup. Je pense que quand tu auras ton PC, tu pourras peut-être la faire tourner beaucoup mieux que ça. Voilà, après, et puis certainement en ultra ou en élevé, autant que la mienne. Parce que toi, t'as quoi, tu vas voir, on verra tout à l'heure, mais il me semble que ton PC sera certainement un peu mieux que le mien. Mais voilà, surtout qu'en plus, tu vas avoir un Intel Core i7, non? Ouais. Donc ouais, ça va être mieux que le mien quand même.
Donc tu pourras au moins tourner à 15-20 images secondes au moins, en élevé. Alors c'est dommage que tu aies pris ton volant assez bien, mais bon. Donc voilà, après franchement, cette map, c'est vrai que c'est une map que j'adore, que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est, je pense, la meilleure map qui n'ait vraiment aucune base, on va dire. Bah, aucune base du jeu de base. Voilà. C'est con, mais je sais pas comment vous dire ça autrement. Parce qu'en gros, la TSM, la Pro Mode, toutes ces maps-là ont. Pourquoi tu freines ? Tu accélères, c'est tout. Mais j'ai pas l'impression que t'as des queues. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc il te reste combien de kilomètres à faire? Attendez, hop là, 10 kilomètres. Ça va être long. Bien, oh, tu vas prendre le bateau. C'est la première fois, les gars, je vous dis clairement, c'est la première fois qu'il va se passer ça sur cette map. On va prendre le bateau, d'après ce que je vois, parce qu'il y a des pointillés sur la map. Ouais, train ou... C'est bizarre. C'est très très bizarre parce que... non, là tu vas tout droit. Là tu vas tout droit. Tu peux pas aller à droite. C'est après que tu vas à droite. C'est bizarre. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, c'est juste là-haut là. Pas sur sa tête, hein, mais juste en haut là-haut. Au bout de. Tout au bout de la vidéo là-haut, normalement si je ne me trompe pas, dans le coin, il y a le petit overlay qui tourne en rond là. Et vous pouvez vous abonner. Ah non, bah non, en fait il n'y a pas de. Je pensais qu'il y avait, mais non, en fait il n'y a pas. C'est un petit bug, on va dire. Donc pas de bol, il n'y a pas de train ou de bateau ou de quoi que ce soit. C'est juste un bug en fait. Oh. Ah ouais, c'est parce que t'es pas sur le même. En gros t'étais pas sur le. T'es pas sur le macadam. 0-0. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de bugs quand même encore sur cette map, mais elle est encore. Même ces petits bugs en fait sont acceptables par rapport au reste. Elle est plus jolie que la map de base. Bon, elle est un peu. Molle, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de compète non plus. Je l'avais pas acheté pour faire ça non plus à la base. En gros, j'ai acheté parce qu'il était assez puissant et pas très cher. Voilà, et l'un va faire sans l'autre. Donc, pour faire des trucs dans le genre là, il est pas très très puissant, mais il est largement suffisant. Voilà. Donc voilà, de toute façon, quand j'aurai un petit peu de sous plus tard. Je pense pouvoir m'acheter un nouveau PC et ça pourrait être plus ou moins intéressant. Donc un PC de compète ou pas loin. Donc avec plusieurs gigas de RAM, hein, je sais pas, entre 16 et 32. Ça fait quand même mal, hein, parce que ça fait 100 euros de barrette. Mais bon. Donc voilà. Après. Je sais pas comment vous dire, mais j'espère franchement que ça vous plaît, que voilà, vous avez l'envie d'en voir un peu plus et de me soutenir et de me soutenir un peu, parce que en gros je pourrais faire des meilleures vidéos que si que avec un peu de soutien, même s'il n'y a pas que ça non plus, mais ça en fait une grosse partie. Donc voilà, aussi en haut à gauche, non, à droite, bien à gauche pour lui, mais pour vous c'est à droite. Donc c'est, vous pouvez vous abonner là, allez voir ma page Google Plus, donc vous serez normalement informé si vous mettez un suivre. Et donc vous pourrez, je crois, être au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Et après, plus tard, je sais pas quand, on fera certainement des lives. Mets-toi sur la droite, tu auras un GPS. Ah non, bah non, tu l'as sur. Mais des fois, en fait, ça lag. En fait, quand t'es sur les voies de. Ah,
vraiment de la chance de ne pas avoir fait le prix. Donc voilà, après, fais gaffe, il y a pas mal de radars. Mais c'est limité. Ah oui, c'est limité 90, c'est bon. Donc voilà, après, voilà, et quand. Peut-être que plus tard, King Kong Simulator et moi, on fera peut-être des lives plus ou moins intéressants. Pour moi, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Peut-être sur Euro Truck Simulator en multijoueur. Parce que c'est peut-être l'un des seuls. C'est pas un lag là. Mais normalement, il n'y en a pas de tracé sur les rails. Mais bon, ça arrive des fois. C'est pas grave, de toute façon, tu fais abstraction de ça, ça, tu peux passer à côté, tu t'en fous. Donc, en plus, c'était presque arrivé déjà. Donc, voilà, donc n'hésitez franchement pas à nous dire, à me dire à moi, c'est ma chaîne, ce que vous pensez de ça, justement, de ces vidéos comme ça, tranquille, très courte. Déjà parce que ça, je vous dis clairement, ça m'avantage beaucoup vu que j'ai pas un gros PC. Le fait d'avoir de faire des courtes vidéos, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est ce que je fais, parce que j'ai des rendus hors normes en fait, et parce qu'en gros pour 10 minutes, 20 minutes de vidéo, je vais passer 2, 3, 4 heures de rendu pour faire une bonne vidéo. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, un petit peu comme ça, chiant, voilà. De passer 2 heures pour faire un rendu d'une vidéo de 10 minutes où il n'y a pas beaucoup de montage. Et franchement, c'est un montage très basique. En gros, on va mettre voilà, un petit truc au début, un petit truc à la fin, et puis c'est fini. Donc voilà, c'est ce que je dis et c'est ce que je pense aussi. Donc voilà. Après moi ça donc, le PC que je vais avoir va être plus rapide. Oui mais tu vas juste diviser par deux peut-être le temps de montage, mais. Non, mais toi t'as la fille. Ouais, c'est l'avantage. Ouais. Parce que maintenant, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je ne passe plus 3 heures à mettre mes vidéos en ligne. Parce qu'en gros, c'est vrai qu'avant, en fait, quand j'utilisais Camtasia, je faisais des vidéos qui étaient beaucoup plus. Comment dire, beaucoup plus. Beaucoup plus concentré, on va dire. En gros, mes vidéos maintenant elles font à peu près 1 giga 2. Elles font à peu près 1 giga 2, voire. Maximum 2 giga. Et je les mets en. Quand ça va bien, en un quart d'heure. 20 minutes, une heure pour maximum. Et quand ça va mal, ben je la mets en 3-4 heures. Ouais, pourtant en plus j'ai juste la DSL et je mets en une demi-heure. Ah, mais est-ce que tu utilises Camtasia toi? Ouais. Et ça dépend pas du PC, ça dépend que des. Et vu que tes vidéos elles font à peine 20 minutes, ce qui fait que ça va deux fois plus vite. Voilà. Bon, en ce moment j'ai juste qu'une vidéo parce que j'ai supprimé les anciennes. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un peu dommage de faire ça, quoi, que comme ça. Mais quand j'aurai un PC plus digne de ce nom, on va dire. Plus, voilà, on va dire qu'il soit de meilleure qualité, où je peux faire des rendus très rapides, plus fluides, je pourrais faire des vidéos d'une demi-heure, une heure, parce que franchement, je vous dis, sinon, si je fais vraiment des très grosses vidéos, je pense que. Ah merde, je vais repasser sur du Camtasia pour les grosses vidéos de 1 heure ou 2 heures, parce que déjà les temps de rendu sont vachement réduits, et puis en plus les temps de rendu sont réduits, sont plus courts, et en plus déjà c'est plus compressé, donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre 5 minutes 10 minutes pour la mettre sur internet. Voilà. Et puis aussi ça dépend où c'est que je me positionne, si je suis à côté de la box ou si je suis à 3 km de la box. Ça dépend, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est vraiment, ça dépend de l'endroit où je mets ma vie en ligne, ça dépend de beaucoup de choses, s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté aussi sur la box, etc. etc. Et ça joue beaucoup. Donc voilà.
pas mon plus sur le jeu. Je laisse à court. Quasiment âge 24. Donc quasiment. Parce que franchement, c'est. Mais des fois, même quand par exemple il y a ma mère aussi sur. Parce que j'habite encore chez mes parents, si vous ne savez pas. Si j'ai. Pourquoi t'as pas vu le radar? Non, c'est pas ça. Pourquoi faire? Parce que j'étais en lycée. Mais tu sens que tu les vois les radars. C'est des cubes d'eau. C'est pas forcément de trucs de flics, mais il y a des cubes d'eau. Donc voilà, là c'est bientôt fini pour cette vidéo. Donc une petite vidéo de 14 minutes, c'est très très bien, moi je trouve. Après, on va essayer de faire des vidéos courtes. Bien, avec peut-être un peu plus de montage, donc c'est fait que ça mettra peut-être un peu plus de temps de rendu, mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus, parce que ça me permet de faire autre chose pendant ce temps, même si avec cette chaleur, c'est un peu, c'est à gauche, je veux dire, ton autre droite. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tournes pas? Là, t'es en neutre. Donc voilà, mais n'hésitez franchement pas à nous dire, en tout cas moi pour l'instant, ce que vous pensez des vidéos, des montages et tout. Surtout sur les dernières vidéos que j'ai faites de Need for Speed, parce que vraiment je me suis donné à fond. Et c'est vrai que c'est l'un des seuls jeux PC qui tourne vraiment quand même, regarde, plus ou moins bien sur mon PC. Parce que quand même il tourne... à peu près 3 fois mieux que Rotruck. À peu près. Bon, je suis quand même en qualité moyenne. Hein, parce que. En fait, Need for Speed, c'est quand même un jeu qui, par rapport à Rotruck, où on n'a pas beaucoup de vitesse, où on a besoin de fluidité, en fait, sur Need for Speed. Alors que sur Rotruck, on n'a pas forcément besoin de fluidité, on va dire. Bah, beaucoup moins que sur Need for Speed. Beaucoup moins que sur Need for Speed. Et voilà, en gros, vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup moins besoin de fluidité sur Rotruck que sur un Need for Speed. Donc je préfère mettre de la qualité sur Rotruck plutôt que sur Need for Speed. Voilà, même si quand même il y en a, hein, sinon en fait il n'y en a pas tant que ça de la qualité sur Need for Speed. Même sur Rotruck, il n'y en a pas tant que ça de la qualité. Sinon il faudrait que je me mette en ultra, mais je tournerai à 4 images secondes, à 2 images secondes, et encore, je suis même pas sûr. Mais le truc c'est que je pense que sur la map de base, je devrais pouvoir tourner en ultra. D'un sans mode, sans rien, je devrais pouvoir tourner en ultra avec le même débit d'image que là. Allez. Mais bon, c'est vrai que la map de base avec d'un sans mode sans rien, le jeu est pas. Plus très intéressant, on va dire, au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup joué au début du jeu, en fait quand j'ai commencé à jouer, je jouais beaucoup sans mode, et puis ça m'a plus ou moins vite lassé, et c'est comme ça que... Il fait quoi, là, c'est... Bon, je rage un peu. Bon, voilà, il a perdu, ouais, je te voilà, c'est fini. Excellent, comment t'as fait excellent, c'est pas possible. Bah, t'as gagné 500 balles, donc comme vous voyez on est niveau 3 pas 4, excusez-moi. Donc on va se quitter là pour cette vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc là comme vous voyez, bah, vous voyez pas vous, mais on tourne à 15 images secondes, hein, quand même, juste le menu quoi. Voilà. Donc on tourne à peu près au même niveau que Need for Speed, mais seulement sur menu. Donc voilà, on a fait une plutôt courte vidéo comme d'habitude et on va continuer, donc on va se laisser là, et moi je vous souhaite à tous de passer des bons moments en ma compagnie ou en la compagnie de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas aussi, n'hésitez pas aussi à aller voir les liens Facebook, Twitter dans la description juste en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Rien dit. Ouais, mais tu fais une tête, ça veut dire tout. Donc voilà, on va se dire. Non, mais... On va se dire à la prochaine, hein, et on va passer des bons moments. Donc à plus, ciao, bisous.